Mesdames et messieurs, on appelle ma famille. J'ai l'immense
dos tres. Vous présenter son excellence, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo. Nous allons donc assister à une cérémonie qui va en faire trois étapes. Première étape, la madame le secrétaire général nous met le cocotier à faire le déplacement et il souhaite, en tant qu'autorité communale, de mettre les gens à son excellence. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il a pu faire tout à l'heure. Après cela, la parole reviendra au secrétaire général du FPI, le camarade Docteur Assoua Diouf, vous souhaitez la bienvenue. Ce sera très bref. Après quoi, le président Laurent Gbagbo prendra la parole pour nous adresser juste un mot. Et la cérémonie sera ainsi terminée. Immédiatement, sans attendre, nous allons donc appeler Monsieur le maire juste pour saluer Monsieur le président de la République, Laurent Gbagbo. Le protocole se fait un peu plus lassé. Avant de laisser la parole au secrétaire général, s'il vous plaît, il y a une fenêtre de travail. Vous verrez le président après, il va passer par ici. Merci. Je souhaite qu'on salue Monsieur Boubacar Issia. Il est venu spécialement du Niger pour vivre le retour du président de la Mako. Vous pouvez laisser à votre place de l'eau avec le salut. Elle a été avocate du ministre Charles Devoudé à La Haye. Elle s'appelle Madame Josette Kadi. Bienvenue du Cameroun pour vivre l'arrivée du président Laurent Gbagbo en compagnie de sa sœur Nicole Kadi. Bienvenue du Cameroun. À présent, Monsieur le Secrétaire Général, la parole vous revient. Bienvenue. Monsieur le Président, Laurent Gbagbo, président de la République, monsieur le maire, commune de Cocody, camarade responsable du Front populaire ivoirien, camarade invité du milieu de l'Ivoire de l'Afrique, nous souhaitons je vais vous demander deux choses. La première, c'est de vous dire que tous, nous conservons une minute de silence. Tous nos camarades sont morts. Vous-même.
C'est la mort, parce que vous avez des corps. Pardon pour rien. Pardon pour rien. Pour toi, c'est la mort ou la mort. Et puis, nous autres, on dit Baba a dit. Et Baba a dit qu'il avait dit que Baba viendra. Aujourd'hui, il dit que Baba est là. Parce que la vie du politique, il faut la faire une opération, il faut avoir une production, il faut avoir une idéologie, il faut avoir une stratégie et il faut appliquer des pratiques adaptées. Tout avoir le projet et aujourd'hui, le matin va faire. Je vous remercie, camarade. Comme on a dit, ce n'est pas le moment de discours. Juste vous souhaiter bonne arrivée à l'autre. Bonne arrivée dans le pays de Saint-Antoine. On nous avait dit qu'il ne viendra jamais ici. Je voudrais avec sa permission évoquer des choses. Et puis je passerai la parole. Quand nous étions en exil à Blanade, avec des camarades, Désiré Bonquet, il avait un passeport. Donc il pouvait réagir. C'était le premier qui a dit pas par le président Babo. Il est allé nous voir. Il est resté longtemps pour pouvoir nous voir plusieurs fois. À son retour, avant de me dire ce qui s'est passé, il s'est mis à pleurer. Parce que la prison de Chivenegen, c'est un endroit sinistre. Et dans un endroit où on t'amène pour te déshumaniser, pour que tu meurs, ouais, pour que tu ne reviennes jamais dans ton pays. Et Babo, c'est ce que je l'appelle maintenant la colombie. Oui, parce qu'il était bombardé, il n'est pas mort. On a essayé des bombes, des nouvelles bombes sur lui, il n'est pas mort. On l'a mis à Colombo, pour qu'il meure, il n'est pas mort. On l'a mené à Chivenegen pour qu'il meure ou bien il reste éternellement en prison là-bas. Et aujourd'hui, il est avec nous. Président Babo, merci pour la Côte d'Ivoire, merci pour l'Afrique, merci pour le combat aujourd'hui. Est-ce qu'on peut applaudir encore le secrétaire général de l'FDI? Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Ici, les Ivoiriens ont son... tout ce qu'on fait ici, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Dieu est tellement dedans. Aujourd'hui, vous voilà en chair et en os avec nous. Parce que beaucoup ne croient pas que c'est vous qui êtes là. Nous allons être. La même, la carte de même souvenir. Parce que beaucoup ne croient pas que c'est vous qui êtes là. Nous allons vous permettre de leur adresser juste quelques mots. Monsieur le Président, la parole est à vous. Amen.
position, vous le savez, et je peux toucher, peut toucher encore un peu de vie. Merci, mon frère, merci, monsieur. Merci, monsieur le maire. Je veux saluer ici aussi le petit frère, le coup Vincent. Je le connais depuis 1952. Beaucoup de gens ont encore ici. Il dit même pour moi. Merci, Vincent. Merci, Vincent. Merci. D'être toujours frère. Nous avons aussi la plupart de mes parents. Il y a même deux pour lesquels il y a même deux pour les autres. Tous les autres, nous les jouons. Mais si les autres, c'est très bien. On va dormir ici. Or, il faut que j'aille dormir à la maison. Je veux citer le premier ministre a pris le pays. Tout travail dans l'avion. Tout travail dans l'avion. Je pensais à lui. Parce que. L'avion était bondé. Du voyage. J'ai décidé de venir pour voir mon arrivée. Donc ils sont allés, ils ont pris l'avion, ils sont montés. Et parmi ceux qui voyaient, qui étaient pour la route en face de lui, il y avait une jeune fille. Qui était assis, pas loin de moi, à business. Elle est venue me saluer. Il est président, je suis à pied, et je vis en Suisse. Alors, spontanément, je dis, vous êtes. Oui, là, c'est des amis. De vous. Ils sont où à Zoupé ou à Lépé. Et quand on a dit, j'avais oublié que lui, il était dans le monde et il était à Lépé. Mais c'est un des plus brillants, il y a plein de monde. J'espère qu'un jour, je suis un peu plus de temps. Ils sont avec nous depuis Alors, pour les autres,
comme ce n'est pas un hasard si des Camerounais, des Camerounaises, du tout étonné, et je ne suis pas du tout étonné. Merci, c'est vrai. Merci. Et je suis arrivé ici, je trouve avec les larmes aux yeux, parce que je ne peux pas là. Quand on m'a arrêté, elle a fui aussi. Et elle est au Ghana, en Asie. Au bout d'année, quand elle a su que sa fin était proche, elle est rentrée à Côte d'Ivoire. Et quelques jours après son arrivée à Côte d'Ivoire, elle est décédée. Je n'ai pas été là. Je n'ai pas été là. Pour l'honorer une dernière fois. Alors que c'était pour ma fête. Sans elle, je ne serais pas aujourd'hui docteur dans l'histoire. Je ne serais pas président de la République. Je n'ai pas pu l'honorer. Et ça me fait beaucoup de peine. Mais j'ai demandé à un ami, à un frère, Sangaré à Bidouama. J'ai dit Sangaré, je ne suis pas là. On a mis l'obsèque de ma mère. Et Sangaré a organisé les obsèques de ma mère. Il s'est déplacé en pays de l'Afrique où elle a été accueillie. Il n'a même pas attendu que je vienne lui dire. Mon acquittement, mon acquittement. Donc, je suis venu, je demanderai au secrétaire général de me donner quelques jours pour pleurer les morts. Puis après ça, je viendrai. Merci. Je suis très heureux avec vous. Félicite de voir ici. Oui, nous avons un parlementaire. Vous savez, il était là-bas et il y en a qui disaient. Il y a un pays qui n'a pas eu beaucoup de députés. Il y a un pays qui n'a pas eu beaucoup de députés. Mais il faut faire la comparaison. Depuis que nous allons aux élections, sans être aux élections législatives, sans être au pouvoir, c'est le plus grand nombre de députés que nous avons. Je vous félicite, je vous remercie. Nous avons eu 5 députés en 2021. Voilà. Ici, le peuple peut
une législature le peuple est légitimiste et vote pour le président de la République. Il élit les députés du président de la République. Le peuple est légitimiste ici, en politique. Mais je vous remercie. Vous avez mené une grande bataille, une bonne bataille et vous avez un pays. Monsieur le secrétaire général, comment est-ce que vous voulez dire aujourd'hui et à la prochaine fois nous allons travailler, vous allez me dire quand je suis votre soldat, je suis mobilisé. Thank you.